Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sirâtal mustakîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlîn. Amin. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin al-fâtihi limâ ughliqa vel kâtimi limâ sabaka nâsirul âkib bil hâki vel hâdî ilâ sirâtikal mustakîm. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner les secrets des citrons. Tout le monde le sait, les citrons se trouvent partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est pour les hommes qui ont des faiblesses sexuelles. C'est un arbre qui est respecté, c'est un arbre qui soigne beaucoup de maladies. Il y en a qui utilisent avec le Lipton, il y en a qui utilisent naturellement, il y en a qui ont envie de boire d'une manière comme ils veulent. Mais aujourd'hui, moi je suis prêt pour vous donner les grands secrets pour les hommes qui sont faibles sur le lit, qui n'arrivent pas à se retrouver mieux comme ils veulent, qui n'arrivent pas à se bander comme ils veulent. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner les grands, grands secrets du citron, que le citron est un grand arbre. En commençant par la feuille, les fruits, la racine, partout des citrons est utile. Aujourd'hui, je vais parler... Le fruit et la racine du citron. Comment nous allons utiliser? C'est très simple, mon frère. Écoute-moi et vous allez comprendre comment on utilise. Nous allons chercher beaucoup des racines de citron. Après avoir trouvé beaucoup de racines de citron, les fruits là, vous allez chercher aussi beaucoup de fruits. Mais comment nous allons utiliser les fruits là? Nous allons filtrer les fruits d'abord. Les peaux des fruits là, nous allons mettre ça dans une tasse, que ce soit dans une marmite. Ou bien là où on prépare du café. Le type qu'on prépare du café, n'importe chose quoi. Là où on peut bien mettre sur le feu que ça va mûr comme il veut. Donc, Inch'Allah, on utilise comme ça. Donc, il n'y a pas seul objet qui est choisi pour ça, quelle qu'en soit la marmite ou la tasse. Comme vous voulez quoi, comme vous voulez. Tout ce qu'on peut mettre sur le feu. Donc, vous allez... Les pots... qui est sur la racine de citron, vous allez enlever ça. Donc, les bâtons là, les racines même là, après avoir enlevé les fruits sales qui est sur la racine de citron, vous allez enlever ça. Donc, maintenant, ça va être propre. Vous allez bien laver ça. Et puis, vous allez mettre dans une tasse ou dans une marmite. Donc avec les peaux des fruits, donc après avoir aussi enlevé les peaux sales qui est sur la racine là, donc vous allez mettre ça dans une tasse, dans une marmite, comme vous voulez. Donc vous allez mettre de l'eau, vous allez mettre ça sur le feu. Il faut que ça va durer environ 4 heures, 4 heures ou bien 3 heures pour que ça va être bien mûr. Parce que le médicament là, ou bien les traditions, les racines là, les plantes là, il faut, ce qui est commandé par les racines là, c'est commandé, il faut que ça soit mûr. Comme tu veux là, ça peut vous aider. Mais si ce n'est pas mûr là, ça ne peut pas aller. Ah, il faut qu'on le dise, hein. Parce que vous allez dire que Marz Boun et Mariama, il a expliqué une recette sur son compte là,
Je n'arrive pas à comprendre et puis j'ai utilisé, je n'ai pas vu le résultat. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il faut bien écouter d'abord avant de le faire. Il faut mieux écouter avant de le faire. Prends ton temps de bien écouter. Parce que c'est bien expliqué ici. C'est bien expliqué ici. Ah oui, je vous l'ai dit. Quand tu n'arrives pas à prendre, tu vas faire 45 minutes. 45 minutes, 45 bonnes minutes. Tu vas le faire sur le coup. Je le témoigne ici, Inch'Allah. Et puis, vous venez de trouver un grand secret du monde imbattable. Voilà. Donc, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est un grand secret que tous les hommes ont besoin d'aujourd'hui, surtout en Afrique, surtout dans le monde même, dans l'univers. Donc, moi, j'ai le cœur plein de vous donner ce secret parce que je sais qu'il y a des hommes qui ont beaucoup de problèmes comme ça, là, faiblesse sexuelle ou bien. Donc, il y a plusieurs manières. Les choses à venir, quoi, Inch'Allah. Les choses sont à venir. Parce que j'ai beaucoup de secrets. Il faut que je vomisse le secret pour tout le monde. Pour tout le monde. Inch'Allah. Voilà. Sinon, le citron. Le citron, c'est très bon. Il y en a même le fruit de citron, quand tu gardes toujours chez toi, ou bien dans ta voiture, tu n'auras pas de problème. Ou bien dans le sac à main, ou bien dans le sac à dos, tu peux même choisir deux ou trois fruits. Donc, tu vas mettre ça dans ton sac, ou bien dans le sac à main, ou bien dans ta chambre. N'importe quelle façon, quand même, c'est bien. Même quand tu es invité à aller dans une conférence, tu veux être protégé, donc tu vas chercher un fruit de citron et tu vas filtrer ça à ta main. Il faut toucher un peu le visage avec. Donc il faut frotter un peu le visage avec. Ou bien vous allez frotter les mains avec, de toucher un peu le visage. À l'arrivée là-bas, même s'il y a des mauvaises personnes là-bas, on ne peut rien faire pour toi. Ça va te garantir. Ça va te garantir. Inch'Allah. Donc, on est toujours là pour vous donner des recettes. On est toujours là pour vous aider. Inch'Allah, on est toujours ensemble. Je vous aime tous. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ihdina Siratal Mustaqim. Siratal Ladzina An'amta Alayhim. Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الهاكم بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم